Salut Pascal, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut John, ça va ? Comment ça va dans le bordel ? Eh ben c'est nickel ! Bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal, puisque là tu m'as confié un truc. Plutôt sympathique quand même. Eh ouais. Bon, alors on va dire encore, t'as sorti la théorie lourde. Oui. Eh oui. Bah tu as sorti la théorie lourde, parce que bon, moi j'y suis pour rien. On a profité de l'été là, pour recevoir des grosses pelles. Oui. Hein ? Et donc bon. Celle-ci en fait partie. Voilà, alors attends, je mets mon petit accordeur au luc parce que j'ai pas de pédale aujourd'hui, rien. Je suis en direct dans un ampli qu'on va parler tout à l'heure. Donc je contrôle mon accordage parce que la petite, je ne l'ai pas joué. Donc elle arrive, elle sort de la boîte, évidemment. Et on en parle tout de suite, c'est quoi ? C'est une Fender Custom Shop. Modèle 60 HS. Pourquoi ? Parce qu'elle a un bucker dans le manche. Et regarde là. Et un simple en chevalet. Ouais, et puis elle a un look. Bah regarde ça. Ah. C'est du Candy Red. Il y a du Pink Paisley. Bah, c'est quoi ça? Et du puis là Pink Paisley et du Candy Red. Ouh là, alors ça, on va partout, partout. Vas-y, tourne pour voir. Attends, je tourne. Waouh, yeah. Tu vois, il y a un bout de bon, candy. Bon, alors, les enfants. Pink Paisley. C'est du heavy loridique quand même. Hein. Ah bah oui. Ah, bon, là, le ceinturon. En gros, le mec, il avait une Paisley, il a repeint en rouge. C'est ça. Hein. Donc, avec le ceinturon, les cordes, le machin. Elle est faïencée de partout et c'est sûr, elle a des pets, etc., etc. C'est bien une heavy loridique de chez Fender Custom Shop. Bon, voilà. Le pickguard jauni, hein, comme à souhait. Comme à souhait. Voilà, la tête. Bah, regarde la tête. Hein. Bon. Ah ouais, comme ça. Le manche, je retourne la bête. Avec un manche bien gratté. Alors, j'adore. Pourquoi j'adore ? Puisque ça glisse à une vitesse de furieux. La tête, évidemment, l'emblème Custom Shop, ici. Eh oui, et il s'agit d'une édition limitée, donc faudra pas trop traîner pour la trouver, celle-là. Ouais, édition limitée chez Monsieur Fender Custom Shop, c'est pas beaucoup de guitares. Non. Hein, en gros, c'est ça, hein, voilà. Et on sait qu'actuellement, pour eux, fabriquer des guitares, c'est pas... voilà, ça vient pas super rapidement, hein. C'est pas des Squire, on va dire. Hein. Bon, alors cette guitare, déjà, elle a un look à tomber, ça c'est sûr. Vraiment rock'n'roll, j'adore. Hein, rock'n'roll, blues, ce que tu veux, enfin bon, voilà, de loin, on la voit. Les mecs sur scène, là tu sors ça, on te repère. Bon, tu me parles un peu de ce qu'il y a dessus. Alors qu'est-ce qui fait le son ? Micro-manche, ils nous ont fait plaisir. C'est un micro EVH, monsieur. Bam ! Ça va envoyer du steak. EVH, ouais, carrément. Et oui, après, carrément. En chevalet, un twisted. Oui. Donc le fameux twisted, mais celui-ci bobiné à la main par le Custom Shop. Bon. Un EVH en manche. Non, mais toi. Et puis un autre truc, t'as vu ? Ah oui, on a la plaque reverse. Voilà, plaque reverse. Hein. C'est-à-dire que d'habitude, vous avez le sélecteur ici, hein, sur une télé, et puis là, d'un coup, on a mis à l'envers. Est-ce que ça gêne ?
Alors moi, ça, des fois, ça me gênerait parce que j'ai l'habitude de sélectionner. Tu vois, tellement j'ai l'habitude qu'avec le doigt, je le fais comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin. Bon, les gars, voilà. Sinon, un volume, une tonalité, quoi. Bon, on va dire, hein, c'est une télé, sinon. Hein. Mais certaines personnes, du coup, préfèrent ce truc-là parce que du coup, le sélecteur n'est pas dans le passage de leur main anti-gratouille. Voilà, on connaît le coup d'un grand balayage et blam, tu passes d'un autre micro. Bon, ok, allez. C'est un petit truc, mais ça fait que la guitare a un autre look aussi. Et oui. Un petit look aussi Telecaster, mais avec un inversement. Bon, le manche, eh bien, on a une touche rapportée, évidemment. Hein, magnifique. Un beau palissandre. On est sur du manche coupé en quartier. Et du palissandre. Bah oui. Hein. C'est pas... voilà. Bah non. Magnifique palissandre. Un beau palissandre. Et on est sur deux morceaux d'Aulne. Malin. Alors, la guitare est relativement légère. Hein, donc, c'est pas lourd. Franchement, on est à l'aise tout de suite. Le manche, eh ben oui, il y a un peu de matière. Bon, alors ça j'adore, puisque là on a vraiment la possibilité de, pour moi de développer le jeu, etc., etc. Bon, et si on y allait voir un petit peu, tu sais, dans le côté un petit peu clean. Ouais, hein, allez. Clean. Bon, alors clean de la guitare, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, et tu sais quoi, je vais attaquer avec... Sur le EVH. Ouais. Attends, on va dire. Peut-être qu'il n'aime pas le clean, lui, hein. On va voir. Eh ben, là, je suis... toi, j'essaye. Alors, je fais les réglages en direct live. Ouais. Pour pas que, justement, que... Donc, aujourd'hui, branché dans le Black Star JGN, petit retour en force du JGN, juste avant la tournée de Jared. Oui. Hein. Et puis bon, voilà, c'est un ampli J'espère qu'on le verra dans nos shops. Je pense pas. Ah. Non, bah, on sait jamais. Il vient pas à Nantes, donc on le verra pas. Bon, ou à Bordeaux. Il vient pas non plus à Bordeaux. Voilà. Bon, bah écoute, tant pis pour nous. Donc, Jared Jem Nichols avec son Black Star signature JGN, qu'on connaît, qu'on aime bien, qui avait disparu, hein. Bah, une rareté, hein. Là, ils en font un petit peu par petite édition limitée, donc voilà. Et donc, vous remarquerez qu'il n'y a pas de haut-parleur dedans. Si vous en voyez un, n'hésitez pas à sauter dessus. Bah, bien sûr qu'il est juste retourné, ouais. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a eu des questions là-dessus. Eh bien, tout simplement, j'en prends une pleine tête. Et à un moment donné, c'est mon oreille gauche ou mon oreille droite qui ramasse, et donc on ne peut plus. C'est ça. Et en plus, ça évite les repisses énormes non plus sur les micros. Cravate. Voilà, techniquement, je vous l'ai dit. Bon, ça donne quoi après, comme ça, on va voir en son clean. Son clean sur le VA, j'ai toujours un doute, hein, ouais. Pascal. Non je attends de voir. Bon, allez, on y va. Attends, voilà. Quoi, Pascal? Allez, vas-y, hein. Lâche. Je trouve vachement claquant. T'es sûr que t'es sur le EVH? Ah bah oui, la plaque inversée, c'est juste qu'elle est foutue derrière, mais elle marche toujours comme une plaque. Ça y est, là, viennent de défiler devant vos yeux un nombre d'années incalculables sur Telecaster. Et je me disais, mais c'est vrai que là, il me surprend le EVH. Bon, vas-y. Vous pouvez rigoler, m'envoyer des trucs. Voilà. Hein. Je recommence la même chose parce que sinon c'est nul, quoi. Hein. C'est parti. Alors là, regarde. Ouais. Hein. Ah là, c'est celui-là. Ouais. Hein. Je te vois te marier depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça. Je dis, ouais, ok. Ok, mais on va pas recommencer pour ça. Bah non. Allez. Ah, c'est parti. Thank you.
C'est plus le son d'un humbucker, ça, on est d'accord. Hein? Oh, David, John, David, John. Bon, alors, oui, alors, mais t'en penses quoi maintenant? Bah écoute, il est bien crémeux, bien, bien bluesy à souhait. Ouais, moi quand j'aime même. Bien, j'aime bien. Je suis étonné un petit peu. T'étais le volume à fond? Ouais, hein, bien sûr, mon monsieur. Là, je vais le jouer un peu plus rentre dedans, d'accord, ouais, pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. À savoir que le GGN tord assez rapidement quand même. Hein. Ouais. On n'est pas sur un Fender. Hein. On va essayer autre chose. J'y suis rentré un peu plus dedans. Ouais, bah ouais, ça s'entend, ouais, ouais. Et puis on a des grosses basses pyrénées. Oui, alors, je pense que... Alors, ça vient évidemment de l'EVH, hein. Oui, mais le 212, Jared marche très bien aussi pour ça. Ouais, ouais, il aime bien ça, les grosses basses, mon Jared. Bon, je reviens au milieu. Allez, au milieu. Au milieu, ça donne quoi? Oh non de Dieu. Alors là, on va mélanger, tu vois bien, le claquant avec le humbucker. C'est ça. C'est pas si mal que ça. Hein. J'aime bien, hein. Le son de Telecaster est bien là, hein. Ah ouais, ouais, allez, attends, je vais sur l'autre. Allez. Ça pique tout de suite, hein. Ah ouais. Bah, elle est bien hargneuse cette télé là. Mais t'en penses quoi de la bête comme ça? On va la remettre. Je suis en clean, mais c'est un clean, tu vois, qui bave un peu. Hein. C'est ça. Hein, il me faudrait vraiment un Fender pour avoir le son clean, clean. Le son clean. Ce qui me surprend le plus dans la bête, c'est le EVH. Oui, bah écoute, ça, on a une polyvalence sur la guitare, du coup, avec un gros micro humbucker. Voilà. Un gros niveau de sortie. Et puis, le micro télé est bien agressif aussi en chevalet, quoi. C'est ça, on est vraiment sur un truc. Hein, voilà, hein, ça pourrait être kiff, hein. Mais bon, c'est... Pas. J'adore. Voilà, je vais te faire un petit truc là, je suis toujours en clean. Hein, vas-y. Bon, je fais le petit truc, simplement trois accords. Hein. Tu vois le crémeux là. Waouh. Micro, les deux micros. Je vais le dire si. Thank you.
belle palette là. Ah ouais, ouais. Là, franchement, là, je découvre la pelle, je découvre la bête. C'est une Telecaster sans être une Telecaster, évidemment, puisque dès qu'on va ramener un double, c'est pas tout à fait la même chose. Je la trouve hyper facile à jouer. Enfin, pour moi, hein, encore une fois, là, vitesse de manche, tout, ça glisse super bien. Voilà, derrière, regardez un peu, parce que, évidemment, c'est comme si je l'avais joué pendant 60 ans. Hein. 60 berges de jeu, nom des dieux. Hein. Bon, au départ, une Paisley. T'en penses quoi du look, toi? Ah ben, j'adore. T'adores? Ouais. Destroy, tu vois, avec le, et puis le côté, bah déjà, quand il y a Apple Red, t'as déjà de la paillette hein, là-dedans, un peu de métallisé. C'est ça, ouais. Et ouais, puis, Paisley, bon... Paisley, parce que Paisley, j'adore ça. Ah oui, Pink Paisley, quoi. Ah, c'est vraiment une pelle aussi mythique. L'inversement, bah, on s'y fait, excusez-moi pour tout à l'heure. trop de télécaster normal. Le volume, voilà, on peut jouer sur le volume, évidemment. Voilà. Ça répond tout de suite. Je vais la charger un tout petit peu plus. Ouais. Bien, hein, quand ouais, même. Ouais, ouais. C'est terrible. Bon, alors il manque un truc parce que là j'ai un bouton, tu sais, qui est là. Ah, t'as alors, pas ça, mis ouais. T'as pas mis le Blues Power. Jamais. Alors donc. Jared, lui, il fait ça. Alors je sais pas du tout, j'ai pas essayé encore. Enfin, si. J'ai... Oh non, de Dieu, sacré Jared. Ah ouais, alors là, il va jouer beaucoup au bouton et au doigt, hein. Tu vois, elle est dans son élément, la petite, là. Oh, punaise. Hein. Attends, une dernière fois, parce que c'est mon oreille gauche. Bon, bah là, il n'y a pas photo là. Regarde, hein. Regarde.
Oh putain, c'est une sacrée belle. c'est pas la Telecaster, tu sais, la Telecaster que single, la Telecaster oui. qu'on connaît. Elle a ce côté hybride oui, bah oui. qui vous emmène dans un monde du blues, du jazz, du rock'n'roll. Encore une fois, je précise qu'on est sur un GGN, donc il est déjà très connoté. Mais j'imagine dans un Fender, hein, ouais. un Princeton, ce que vous voulez, dans un Vox, dans un Marshall. Enfin, voilà, la gratte, elle va aller partout. Eh oui, ça marchera bien partout. Avec un look, mon petit bonhomme, tomber. Elle est belle. Elle est franchement très très belle. Enfin, il y a du boulot. Les gars, les filles, je sais que vous allez dire, ouais, moi, là, les trucs bousillés, les reliques, j'en veux pas. Ouais. Mais là, il y a un mojo. Il y a un mojo. Sinon, on ne l'aurait pas présenté, hein, parce que elle a un truc. Je la tourne encore une dernière fois pour qu'on voie bien. Oh. Et vous allez me dire aujourd'hui qu'une seule guitare ? Ben ouais. Bon ouais parce que... Bah une grosse comme ça, hein. Ouais, puis on ça mérite une vidéo bon, toute fois, seule. Bon, on fait des gros clowns, on fait oui. des gros coups. Mais là, je voulais pas mettre autre chose devant, derrière plutôt, ou à côté. Je voulais me dire, tiens, pour la caméra numéro 2, un petit look, je voulais me dire, ben, on tourne que celle-là. Franchement, j'adore. Bon. J'adore. Bon. Ben voilà, quoi. On va la prendre, mais bon, voilà, quoi, c'est chiant. mais c'est chiant. C'est une guitare qui serait bien dans ma collection. Eh oui. Bah oui. Et dans la tienne? Ah bah... C'est pour ça que je te pose plus de questions. Ah, j'ai souvent oui. Hein. Déjà que t'en as volé une cet été ou le c'est début. C'est vrai. Hein. Elle est où passée où celle-là? Ouais, j'aimerais bien. On en parlera après. Ouais. Hein. Bon, sinon bah voilà. Combien ça vaut ça? Allez, on pique les yeux, c'est fini, on n'en parlera plus jamais. Je donne le chiffre une seule fois. Vous écoutez bien. Attention, un blanc, le chiffre. 6100. Ouais. Bah ouais, elles ont pris, elles ont. Ça a augmenté les petites custom shop Fender. Et là, je vois vos commentaires. Waouh, 6000 balles là-dedans, jamais. J'achète une Squire, je monte des micros. Tout. D'accord, ça sera jamais ça quand même. Bah, ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. 6100 balles, livrées sans étui. Non, je déconne. En housse. En housse. Non, c'est livré dans un étui magnifique custom shop. Hein, c'est une série limitée. Hein. Eh oui. Bon, c'est beau, c'est cher, ça se mange sans faim. Bon, ça, hein, à la fin du mois, on peut manger quelques pâtes pour ça, mais c'est comme ça. sinon, on fait quoi d'habitude? Eh ben, on s'abonne. Hein, on s'abonne encore plus qu'avant, parce que du coup, il y a encore plus de trucs à venir. Hein. Ah là, oui. Des vidéos. Des on en a prévu des trucs, les enfants. Et en suivant guitare, encore vos conseils. Ampli, effet, tout ça. Ampli, effet, guitare, et la basse va revenir aussi. Eh oui. Voilà. Donc ça c'est pour le vendredi et puis donc le mercredi il y a Thomas avec son guitare afterwork et en nouvelle version. Oui, ça arrive. Vous allez découvrir ça bientôt et c'est une nouvelle version que Thomas a concoctée pour vous sur le shop de Bordeaux. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Ça c'est à 19h30 le mercredi. C'est ça. Donc Thomas le mercredi et la grosse vidéo le vendredi de John et Pascal. C'est toujours le vendredi et ça dure tout le week-end. En tout cas, moi, j'étais super content de vous voir faire voir cette guitare que j'adore, que j'aime. Il va falloir aller la remettre. Ouais, c'est ça le problème. Je la remets tout de suite, là. On va pas perdre de temps non plus. Hein. Merde, putain. Oh, t'es dur. Bon, allez. Bon, allez, attends, je la remets. Hein, allez, ouais, bon. Côté je la remets avec ses copines Custom Shop, puis voilà, quoi. Bon. Voilà. Voilà mon bébé. Bon, et ton beau t-shirt est à la vente. Voilà, vous pouvez le retrouver sur le site et en magasin à Nantes pour le moment. Voilà. À Nantes et bientôt à Bordeaux. Voilà. Et sur le site. À plus. Gros bisous à tous. Ciao.